Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir. Je suis Tina Salama, la présentation de ce journal. Et c'est dans le cadre des 50 ans de l'ISTIFACIC dont je suis le fruit. Tout de suite, le sommaire. La rentrée scolaire 2023-2024, c'est pour ce lundi prochain déjà. Les parents se démènent pour payer les fournitures scolaires à leurs enfants. C'est donc un reportage d'Anastasie Doumbou que vous allez suivre dans ce journal. Et puis plusieurs infrastructures publiques ont été construites et inaugurées dans le territoire de Béni, au Nord Kivu. C'est dans le cadre du PEDEL 145 territoires, un programme initié par le chef de l'État. La formation des journalistes sera au cœur de la chronique de ce soir, présentée par le professeur Arthur Yenga, un autre ancien de l'ISTIFACIC. Professeur, bonsoir. Bonsoir Tina Salama. Je reviens à vous tout à l'heure. A tout de suite. Bonsoir encore une fois, merci de nous recevoir chez vous, nouvellement accrédité en République démocratique du Congo, quatre nouveaux ambassadeurs respectivement des Émirats arabes unis, de Belgique, des Pays-Bas et de Norvège ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au palais Dumont Ngaliema, Pierre Kibambi Somoué, fils Matondo et champion Ndangui. Excellente relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, dont les ambassadeurs extraordinaires et pleins de potentiel ont présenté tour à tour ce jeudi 31 août leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anwar Othman Barout Al-Barout, ambassadeur d'Émirats arabes unis, a été reçu le premier à la période présidentielle du Mont Ngaliema par le chef de l'État. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité, d'un autre master en sciences de gestion et d'une licence en sciences politiques. Anwar Othman Barout a été nommé à la mission permanente des Émirats arabes unis auprès des Nations unies à New York, aux États-Unis d'Amérique, et ambassadeur de son pays au Japon. Il a assumé les mêmes fonctions d'ambassadeur des Émirats arabes unis en Autriche. C'était ensuite au tour de Mme Roxane Debil Derling, ambassadeur de Belgique, de présenter ses lettres de créance au président de la République. La diplomate belge a un master en interprétation de conférences français, anglais, espagnol et un diplôme complémentaire en études européennes de l'Université de Louvain. Elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya avec accréditation auprès de la Somalie, l'Érythrée, les Comores, les Seychelles et Madagascar. Madame Bill Derling a aussi exercé les fonctions de représentante auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement et du programme des Nations Unies pour les établissements humains. Elle parle couramment le français, l'anglais, le néerlandais, l'espagnol et a quelques notions de swahili et de japonais. Madame Marianne van der Erden Samoura a été reçue en qualité de nouvelle ambassadeur des Pays-Bas en RDC. Elle possède une maîtrise en histoire, spécialisation histoire économique de l'université Leiden aux Pays-Bas. Entrée au ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1998, elle a été en poste en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Géorgie, au Thaïlande et en Tunisie. L'ambassadeur de Norvège, Molster Holt, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques, histoire et français. Il est diplômé en sciences politiques de l'Université norvégienne de Bergen. L'ambassadeur Molster a été notamment conseiller principal à la direction des développements durables, premier secrétaire à l'ambassade de Norvège à Tokyo au Japon et ministre conseiller à l'ambassade de Norvège à Paris en France. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu visite à l'enfant Calvin Ikouli Bosekeni ce mercredi 30 avril. C'était à l'hôpital militaire colonel Tchatchi où il est interné depuis le mois de juin dernier. Ce patient a reçu les encouragements du président de la République qui a décidé de son transfert à l'étranger pour la suite des soins médicaux. Suivez ce reportage de Rachel Foutou et Coco Molicho. Il est le symbole de joie. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne en lui l'essence de l'amour et redonne de l'espoir là où il n'y en avait plus. Son cœur aimable et compatissant l'a déplacé de sa résidence ce mercredi 30 août pour l'hôpital militaire colonel Tchatchi.
Le président Félix Tshisekedi a visité l'enfant calvaire Ikulibo Keseni, hospitalisé depuis plus de 2 mois à l'hôpital militaire Colonel Tshiati pour des soins médicaux adéquats de la tumeur rétinoblastone de l'œil droit, un cancer le plus fréquent chez les enfants. Sous l'impulsion et le financement du président de la République Félix Tshisekedi, Calvin Ikuli a subi l'exérèse de la tumeur après plusieurs examens approfondis. Accueilli à son arrivée par le médecin directeur de ses bâtiments médicaux, quelques autres médecins spécialistes et généralistes, ainsi que tous les personnels, le chef de l'État s'est rendu par la suite dans la chambre VIP où Calvin est interné. Sur place, le président Félix Tshisekedi s'est enquéri de l'état de la situation de ses malades. Le chef de l'État a obtenu tous les rapports médicaux de cet enfant. Le garant de la nation a décidé le transfert de Calvin Ikuli à l'étranger pour la seconde étape de ses soins médicaux au service de la radiothérapie. Nous avons pris en charge l'enfant Calvin à une étape déjà assez avancée de sa tumeur. Dieu soit loué, les examens produits après la chirurgie n'ont pas fait état d'un cancer. Les examens produits tout récemment, les scanners de la tête, de poitrine, de l'abdomen et du bassin n'ont pas montré de métastases. La tumeur s'est arrêtée au niveau de la tête. Nous estimons que le plus vite possible, il faut qu'on prenne un contact avec un service où l'enfant peut être transféré, mais au même moment, nous devons voir comment maintenir son état général. S'il ne peut pas manger par la bouche, mais au moins, on peut lui donner ce que nous appelons l'alimentation parentérale, pour qu'il se maintienne quand même jusqu'au jour où on pourra le déplacer pour aller là où il peut bénéficier de la radiothérapie. C'est comme ça, nous pensons que si l'enfant peut être transféré dans un service autre, peut-être où ils ont un peu plus d'expérience sur ces types de tumeurs, peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire. Très ému par ce geste, le parent de l'enfant a eu des mots justes pour remercier le président de la République. On avait demandé l'aide du président de la République avec l'humanisme, c'est-à-dire l'amour du peuple congolais et de la jeunesse en général. Il a accepté de descendre sur le terrain lui-même pour palper les doigts. Vraiment, nos remerciements sincères, nous adressons ça auprès du président de la République. Interné depuis le mois de juin dernier, sur ordre du père de la nation, Félix Tshisekedi, Calvin Ikuli, âgé de 8 ans, avait, à travers une vidéo sur les réseaux sociaux, lancé un message au chef de l'État de lui venir en aide pour des soins médicaux afin de retrouver la vue. Course à la montre pour les parents à 4 jours de la rentrée scolaire. Faute des moyens financiers, certains n'ont pas pu acheter toutes les fournitures scolaires exigées. Par contre, les prévoyants préparent la rentrée dès la fermeture des écoles. C'est en tout cas la situation décrite dans ce reportage d'Anastasie Doumbou. C'est en principe ce lundi 4 septembre 2023 que débutera l'année scolaire 2023-2024 et ce, sur toute l'étendue du territoire national. La rentrée des classes est un moment de joie, de retrouvailles avec les anciens et nouveaux amis au sein de l'école. Mais pour les parents, c'est un moment de dur labeur. Ils sont appelés à répondre favorablement aux besoins de leur progéniture. Certains se disent prêts pour voir leurs enfants débuter les cours dès le 4 septembre. On prépare la rentrée juste le jour où les enfants sont en congé. Voilà. Pour un parent responsable qui s'est bien préparé, qui sait que son enfant est en congé, qui doit reprendre le chemin de l'école, doit à tout prix se préparer. Je vais commencer à préparer lentement, même 2 cahiers, même 5 cahiers, je donne à mon enfant et doit d'abord commencer à partir à l'école. Si l'autre est là, je vais ajouter. Tout est déjà acheté. D'ici lundi, mon fils commence les cours. Pour d'autres, le temps étant dur, ils ne sont pas encore en mesure de procurer à leurs enfants les fournitures scolaires. On n'arrive même pas à sortir de sa chambre. Parce que si vous sortez, les enfants sont là, ils vont directement vous demander. Papa, jusque là, moi j'ai besoin de mes cahiers pour que je commence à mettre les étiquettes. Moi j'ai besoin de ceci. Mais papa, ma jupe, ainsi de suite. Pendant que vous n'avez pas la possibilité de répondre à toutes ces demandes-là. Nous sommes des responsables devant les enfants. Moi, je suis agent de l'État. Je ne suis pas encore payé. Maintenant, la rentrée, c'est demain.
Quand vous me posez cette question, je vais répondre comment? Est-ce que les responsables scolaires sont prêts d'accueillir les enfants le 4 septembre prochain? Madame la directrice de l'EP1 Kassavubu déclare que tous sont prêts pour démarrer les cours à la date prévue. Presque tout est déjà fait prêt. Nous avons déjà lancé les inscriptions depuis le 21 août comme prévu dans les calendriers scolaires. Et jusqu'aujourd'hui, même les inscriptions ont continué à se faire. Preuve en est que nous avons des parents devant vous ici qui continuent à venir inscrire les enfants. Le gouvernement congolais est en train de fournir les efforts pour améliorer les systèmes éducatifs dans la formation continue des enseignants et la construction des infrastructures scolaires pour que les enfants étudient dans la quiétude, d'où l'objectif est de matérialiser le programme sur la gratuité de l'enseignement, vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mise au point sur la manifestation d'hier à Goma, le gouverneur militaire indique qu'il s'agit d'une organisation violente. D'après le général Constant Dima, le meneur du groupe originaire du Sud Kivu n'en est pas son premier coup d'essai. Il précise que les corps des victimes de cette marche interdite sont gardés à la morgue de l'hôpital militaire. Suivons le gouverneur du Nord Kivu dans cette interview exclusive accordée à Françoise Bouela. Un groupe mystico-religieux qui a apparu ici, nous le connaissons il y a quelques mois. Le leader, c'est un prophète, il s'est dit prophète d'ici moi. Il est originaire du Sud Kivu, mais installé ici. Et la police est allée dans le 29 soir pour les encadrer, les empêcher d'aller vers la base de la MONUSCO. Pendant que la police faisait son travail, ils ont arraché un policier, ils l'ont amené chez eux, ils l'ont tué, en portant son arme. Et d'un coup, la manifestation que nous imaginons passive, sans violence, se transforme directement en violence, c'est des coups de feu. Mais ils allaient investir la base de la MONUSCO, ils allaient commencer à chasser les blancs, les occidentaux, ils allaient commencer à s'attaquer aux ONG et aussi aux forces de l'EAC. Alors, quand ça tire, ce n'est plus une manifestation telle que préconisée, c'est ainsi que l'armée a intervenu parce que ça semble à une manipulation pure et simple. Avec des jeunes gens drogués qui n'avaient rien à voir avec ces sectes. Voilà d'où est sortie cette violence qui a fait face maintenant à l'armée. Pour l'instant, moi-même, j'ai fait, depuis le matin d'hier, j'ai fait le tour de la ville sur les lieux. Ce que moi j'avais vu ensemble avec le médecin et qu'il a consigné à la morgue donc, du camp Katindo à l'hôpital militaire, c'était six morts que moi j'ai vu. Donc jusque-là, j'attends, j'ai dépêché le médecin. Ce matin, il est venu à mon bureau ici pour qu'ils aillent me faire un rapport exact, donc des nombres de blessés et des morts. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le processus électoral, deux points abordés tour à tour par le vice-président de l'Assemblée nationale et le président de la CENI avec la délégation des femmes de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. Des précisions dans ce résumé de Robert Ndaye et Tétis Samba. Le compte à rebours a commencé et on s'achemine lentement mais sûrement vers la tenue des élections en décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante met les bouchées doubles pour offrir aux Congolais les élections libres et transparentes. Ce 31 août 2023, à seulement 24 heures du lancement de l'appel à candidature pour les présidentielles, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une délégation des femmes de l'Union africaine, conduite par Mme Binetta Diop. Les échanges ont tourné sur la participation des femmes au procès électoral en cours. L'envoyé spécial du président Moussa Faki Mahamat a loué les efforts constants que déploie la CENI pour l'inclusivité et le respect du calendrier électoral. Nous avons besoin de la participation des femmes. Parce que qu'est-ce que les femmes font dans ce processus-là? C'est cette crédibilité. Et la CENI joue un rôle très important.
Ce que nous avons vu également, le président nous a dit, c'est qu'il prend lui-même des décisions quand il y a des candidats qui sont à égalité homme-femme, que lui-même il prend la décision que ce soit la femme ou les jeunes qui soient mis devant. À la chambre basse du Parlement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Tukumesu, a reçu la même délégation des femmes de l'Union africaine. Le retour de la paix dans la partie est de la RDC a été largement commenté. Le numéro 2 de l'Assemblée nationale a fait le tour d'horizon et informé ses hôtes de la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons discuté de ces questions de paix, ces questions de la participation de la femme à la vie politique. Et d'entrée de jeu, nous avons d'abord expliqué à nos visiteurs, à nos illustres visiteurs, la situation dans laquelle vivent les femmes et les hommes congolais, surtout à l'est de la RDC, où le pays est victime de l'agression rwandaise. Et nous avons précisé que cette situation d'agression par le Rwanda de la RDC affecte les droits des Congolais, en particulier les droits des femmes qui sont victimes de viols et qui sont victimes de toutes les violations des droits de l'homme. Madame Binetta Diop a informé le premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'elle se rendra avec sa délégation à Goma, dans la province du Nord Kivu, pour palper du doigt les conditions de vie des femmes qui payent le lourd prix de la guerre à l'Est imposée par les terroristes du M23. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde-Kingé a abordé le processus électoral et d'autres questions liées aux droits de l'homme avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Ntsapu Mukulu. Les détails avec Patty Tongwango. Les questions liées aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, au cœur des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde-Kingé et le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Ntsapu Mukulu. Et nous, la CNDH, nous devons, nous sommes obligés d'échanger avec d'autres chefs de corps, notamment le Premier ministre de notre gouvernement, sur la situation qui prévaut actuellement. Et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien. Promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain. Au regard des élections qui pointent à l'horizon en RDC, le président de cette institution d'appui à la démocratie a informé les chefs du gouvernement de la mise sur pied d'un programme visant à accompagner les processus électoraux en cours. Et nous avons un programme de la CNDH qui concerne cette question importante des élections que nous allons cadrer et dont nous allons rendre de propositions à la nation, à l'opinion, d'ici peu, puisque nous sommes déjà à l'œuvre et nous allons accompagner ce processus. Cela demande que les autres organes auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections avec la CENI se mettent en ordre de bataille dans le bon sens, de sorte que nos élections soient couronné des succès. Les difficultés auxquelles fait face la CNDH dans l'exercice de ses fonctions de promotion et de protection des droits de l'homme ont été soumis au chef de l'exécutif national. Jean-Michel Sama Lukonde-Kingé a promis à son interlocuteur de s'impliquer pour que les objectifs assignés à cette institution soient atteints. Les stratégies se multiplient pour rendre les femmes compétitives en RDC. Pour ce faire, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangou, vient de lancer deux sessions de formation, l'une pour renforcer les capacités des candidates aux élections 2023 et l'autre axée sur le coaching des femmes. Yvette Makoutima, Eric Djoké. Elle incarne la politique du gouvernement dans la promotion et protection des droits de la femme. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massangou Bibi-Moloko, a pris une part active dans deux activités sur la promotion de la femme. Tout d'abord, la cérémonie de la session des renforcements des capacités de femmes candidates aux élections de 2023. Une activité placée sous le thème « Une initiative de fonds pour les femmes congolaises » avec l'appui technique et financier de Friedrich Ebert Stiefung à l'intention de femmes candidates à la députation nationale et qui s'est déroulée en présence de femmes leaders de la société civile et le partenaire du gouvernement.
Dans son adresse, la patronne du genre a souligné en gras les avancées majeures enregistrées dans la participation politique de la femme sous l'ère Félix Tshisekedi, à l'image de 28% du quota femmes au sein du gouvernement, ainsi que les réformes pertinentes en matière électorale. Au-delà de la volonté politique manifeste du président de la République et chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus déférents, pour la suppression des cautions, pour les partis politiques qui auront à aligner au moins 50% des femmes. Au Forum Groupe International Coach en scène, Femmes spéciales, le rendez-vous annuel de femmes professionnelles, leaders et managers d'Afrique et de la diaspora, Mireille Massangou-Bibi Mouloko a insisté sur la réduction des inégalités entre hommes et femmes, ainsi que la promotion de l'investissement féminin en vue de permettre une croissance inclusive en RDC. Pour ce forum de Kinshasa, les délégations sont venues des trois pays dont l'Afrique du Sud, la République du Congo et la République démocratique du Congo. La séance de prise de photos pour immortaliser l'instant et la visite de produits exposés par les femmes entrepreneurs ont clôturé cette journée sous une bonne ambiance. Alors, comme annoncé dans le sommaire de ce journal, je reçois le professeur Arthur Yenga. Bonsoir. Bonsoir, Kina. Alors, vous êtes professeur, on va dire vous enseignez la méthodologie de recherche, la déontologie, également éthique et droit de la presse. Alors aujourd'hui, professeur, c'est très facile, c'est ce qu'on pense en tout cas, de devenir journaliste. N'importe qui aujourd'hui, s'il a accès aux réseaux sociaux, Internet, YouTube et tout le reste, pense qu'il devient journaliste. Alors, une question que l'on se pose, que je me permets de vous poser ici aujourd'hui, quelle est l'importance de la formation pour un journaliste ? Vous faites bien de parler de l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui dans la manière dont les informations sont relayées et diffusées dans le public. Et cela montre l'importance de la formation, parce que c'est grâce à la formation, une formation de qualité, que l'on peut arriver à distinguer nettement un journaliste qui est formé et un journaliste qui n'est pas formé, parce que c'est la formation notamment qui permet d'expliquer aux téléspectateurs, aux lecteurs, aux auditeurs, l'importance des faits sociaux, de pouvoir les interpréter, de pouvoir leur donner du sens. Mm-hmm. Et c'est là, il faut absolument être dans un circuit de formation, où on apprend les techniques, mais aussi on apprend les disciplines scientifiques. Très bien. Alors, une autre question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, professeur, face au changement, on va dire, de la société avec sa digitalisation, la mondialisation, où en gros, on va dire, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Alors, oui. Quelle formation, finalement, serait adéquate aux journalistes ? Quelle formation leur donner ? C'est vrai que la société change et dans les domaines de l'information et de la communication, les mutations sont encore beaucoup plus rapides. Et cela nous donne, à nous qui sommes opérateurs de formation, de pédagogues, l'obligation de nous adapter. Parce que sinon, alors, la formation serait en décalage avec les réalités du travail professionnel, d'où, dans la formation, nous devons faire cet effort d'être au diapason pour respecter les normes techniques, mais en même temps, les sciences évoluent. Et il faut absolument intégrer dans la formation des journalistes les niveaux nécessaires qui leur permettent de comprendre les faits nouveaux, de comprendre les domaines nouveaux, de comprendre les applications de manière à les vulgariser auprès du grand public. Alors, quelque chose de très important, professeur, venez de le dire, augmenter le niveau, aussi nous adapter, c'est ce que vous dites. Alors aujourd'hui, on va dire nous sommes en train de célébrer les 50 ans de l'IFACIC. Alors comment l'IFACIC compte répondre, on va dire, aux besoins de formation et de renforcement des capacités des journalistes et une nouvelle catégorie qui s'ajoute aujourd'hui, les communicateurs. Très bien. L'ISTI, quand ça a commencé, c'était une école de journalisme. Dans son évolution, l'ISTI devrait, dans la formation des journalistes du premier et deuxième cycle, ajouter la troisième dimension qui est celle de former des gens du troisième cycle, des docteurs. On est passé à l'IFACIC. Aujourd'hui, nous sommes dans une réalité où nous avons déjà obtenu la mutation de l'IFACIC à UNICIC. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce changement
d'instituts facultaires à l'université, c'est que nous partons d'une université, on était une université parce qu'on avait, on formait jusqu'au doctorat, mais simplement nous étions limités à une seule faculté. Désormais, nous nous étendons, nous avons 4 facultés et 12 départements. Les principales facultés, donc c'est la faculté de presse, information, journalisme, la faculté de communication stratégique des organisations, donc relations publiques, la faculté de communication, éducation et développement, donc l'ancienne communication sociale, et surtout aussi la 4e faculté, la faculté d'information technique et documentaire, donc la bibliothéconomie. Alors là-dedans, nous voulons mettre l'accent sur quoi ? C'est que bon, la société se complexifie, se diversifie. Au-delà de l'information au sens strict du terme, nous devons former aussi des communicateurs. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de fêter les 50 ans de DIFACIC. C'est ce que nous avons fait. Nous avons formé des professionnels des médias. Vous en êtes les produits. Nous en sommes tous des produits. Mais demain, je crois que dans les 50 ans qui vont arriver, nous devons former des cadres qui vont essayer de répondre à tous les besoins de communication de la société. Donc, nous allons essayer de lier les aspects liés au journalisme, à l'information, mais aussi les aspects liés à la communication. Je prends simplement quelques exemples pour que les gens comprennent l'importance de cette mutation. Par exemple, on va mettre l'accent désormais sur aussi la formation de communicateurs qui doivent essayer de s'attaquer aux vrais problèmes de changement de société, des changements de comportement. On a tout un tas de problèmes liés à la lutte contre la corruption, à la lutte contre les antivaleurs. On a besoin de former des vrais agents de développement dans la communication. On parlait là de développement des 145 territoires. Eh bien, il faut des communicateurs qui accompagnent cette sensibilisation, Absolument. Cette promotion. On doit aussi former des gens sur les changements de mentalité, hein, en termes d'éveiller la conscience patriotique, le civisme, parce qu'on a besoin de bons citoyens et tout ça. On doit former tous ces cadres-là. Voilà les prochains défis de notre société. Voilà, professeur Arthur Yenga, vous enseignez la méthodologie de recherche, déontologie, éthique et droit de la presse. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et on dit bon vent et longue vie à notre alma mater. Merci beaucoup. IFACIC. Oui. Augmenter le nombre des juges à la Cour commune d'arbitrage, c'est l'une des recommandations issues de la 55e rencontre du Conseil des ministres de la Justice de l'OADA, des assises clôturées hier à Kinshasa. Un reportage d'Anita Luamba et d'Eki Kionsa. À la clôture de la 55e session des travaux du Conseil des ministres des pays membres de l'OADA, plusieurs recommandations ont été formulées. Au cours de ces assises, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a noté avec joie que les travaux ont permis d'examiner des sujets cruciaux tels que la révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'état de la modification du traité OADA, le processus d'élaboration du statut des juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, la redynamisation du système d'arbitrage et le processus de recrutement du personnel de notre organisation. Au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, permettez-moi de vous dire combien le gouvernement de la République démocratique du Congo est satisfait des conclusions auxquelles ont abouti nos travaux. Nous avons eu des discussions franches et constructives et je suis persuadé que les résultats de cette session contribueront à renforcer l'OADA en tant qu'acteur clé de l'harmonisation du droit des affaires sur notre continent. Alors que nous nous apprêtons à clore ces travaux, j'aimerais nous encourager tous à poursuivre cet élan de collaboration afin de contribuer efficacement à la réalisation de l'objectif majeur de nos pères fondateurs. Dans une motion, les participants ont remercié le chef de l'État congolais, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OADA, au regard du volume des affaires portées devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, l'augmentation du nombre de juristes référendaires est plus qu'indispensable pour garantir l'efficacité de la Cour.
Il a été recommandé au Conseil des ministres de porter le nombre des juristes référendaires de 3 à 6 en tenant compte de la soutenabilité budgétaire et envisager l'organisation d'un colloque international et de la tenue d'une audience foraine à Kinshasa. À ce propos, la Cour des comptes se propose de sanctionner les provinces n'ayant pas déposé leurs édits. Le délai largement dépassé. Je vous invite à suivre cette communication. En matière de contrôle de l'exécution des lois de finances, la Cour a reçu jusqu'à la date du 15 août dernier les projets d'édits portant reddition des comptes pour le budget du dernier exercice clos de 20 provinces sur 26. S'agissant des gouvernements provinciaux qui n'avaient pas encore transmis à la Cour des comptes leurs édits portant reddition des comptes, le premier président de la Cour a déjà saisi leurs assemblées provinciales respectives afin que des sanctions pour faute de gestion soient prises à l'encontre de gouvernements provinciaux défaillants. Il s'agit des provinces ci-après: Kwango, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi et Chuapa, ainsi que la ville de Kinshasa. La Cour des comptes informe l'opinion publique que le gouvernement provincial de Kinshasa a, en fin de la semaine dernière, déposé son projet de dépôt portant révision des comptes du dernier exercice clos. Il sied de noter cependant que ce dépôt est intervenu alors que la Cour avait déjà saisi depuis le 21 août 2023 l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour des sanctions pour faute de gestion à l'endroit des responsables. La Cour des comptes rappelle par ailleurs aux gouvernements provinciaux qu'elles demeurent dans l'attente de transmission des éléments d'exécution de leur budget en cours au premier semestre, le délai légal fixé au 15 août étant largement dépassé. Comme annoncé dans le sommaire de ce journal, plusieurs infrastructures publiques, dont les centres de santé et écoles, ont été réceptionnées à Beni, dans le Nord Kivu, par la ministre du Plan. Ces ouvrages construits rallongent la liste des infrastructures réalisées dans le cadre du PDL 145 territoires, programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un reportage de Françoise Abouela et Pompon Umba. Sous bonne escorte militaire, la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Soumino Atuluka, est arrivée à Moussoukou. Cette zone rouge, triangle de la mort, autrefois bastion des EDF Nalu. Ils ont eu à brûler ici à Benimbao, ce centre de santé avec mort d'homme, des actes de sabotage pour traumatiser la population. Après quelques minutes, ma mère moi est vivo. Je vais couper par toquer là, quand j'ai tout à yulu, hôpital, du gastro hôpital Saro. Grâce au PDL 145 territoires, un nouveau centre de santé est érigé, preuve que le pays est résilient. Cette infrastructure symbolise l'autorité de l'État. Toujours dans les territoires de Beni, ce programme initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a construit ce centre de santé qui fait la joie des communautés locales. Dans la commune de Isha est construit le centre de santé Pakanza. Le personnel est très ému. Nous sommes satisfaits. Nous remercions grandement le président de la République. Un bâtiment qui est construit au standard international des centres de santé et qui permettra à la population d'être soignée dans de bonnes conditions. Coupure du ruban, visite du bâtiment, la patronne du plan recommande le bon usage de cet édifice public. Ces ouvrages viennent corriger les disparités sociales entre milieux ruraux et urbains dans un contexte marqué par l'insécurité au Nord Kivu, province sous état de siège, a précisé Judith Souminois après avoir visité cette école primaire Kito. Je suis venue pour vraiment apporter ce message de paix de la part du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Et il a voulu mettre ce centre pour la population, pour montrer comment il vous tient à cœur et comment votre situation ici, il veut vraiment qu'on arrive à avoir la paix. Le territoire de Beni compte plus d'un million d'habitants et 5 communes rurales. Le PDL 145 territoires est supervisé par le BCECO. En société, le cercle de la nouvelle génération consciente s'est élargi. Plus de 1000 membres ont confirmé leur adhésion au sein de cette plateforme. C'était dans la commune de Kimbanseke. D'autres détails dans ce commentaire de Cédric Kemima.
Lancement des cellules de base, le nombre augmente. Les cas de la commune de Kimbanseke où la nouvelle génération consciente a enregistré 1882 membres répartis dans 35 cellules. La Nogeco se met donc en ordre de bataille pour le scrutin à venir à travers cette opération d'identification. Voilà près d'un mois que cela a commencé. Une opération menée par Victor Bosoku qui du reste a procédé sur place à l'installation d'un nouveau comité. Aujourd'hui nous sommes venus clôturer notre passage. Celui d'identification des cellules de base spécialisées au sein des amis de Victor Bosoku et à la Nogeco. Nous sommes en train de préparer toujours notre cap vers les élections de 2023. Nous n'avons qu'un seul candidat présidentiel au sein de notre plateforme l'Union Sacrée qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vient ensuite l'étape de l'association Mikondo. Nous sommes dans la même commune de Kimbanseke où le secrétaire exécutif de la Nogeco s'est soumis au même exercice. 420 membres enregistrés sur les 8 cellules. Et ce, avant d'installer un comité provisoire dans l'optique de redynamiser les activités à la base. Parlons religion à présent. Des Bibles traduites en 7 langues locales ont été distribuées aujourd'hui aux témoins de Jéhovah. C'était au stade des martyrs de Kinshasa. C'était donc à l'issue des 3 jours des assemblées régionales organisées à travers le monde. Suivez ce reportage de Jacques Méji et Olivier Maquessé. Brothers and sisters, we are delighted to be with you here in Congo. Ils ont convergé au stade des martyrs de la Pentecôte dans la ville de Kinshasa et dans 52 autres sites en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville pour suivre simultanément les programmes spirituels de leur assemblée régionale ayant pour thème « Soyons patients ». 3 temps forts ont marqué cette assemblée régionale de 3 jours, organisée dans le monde entier en plus de 500 langues. D'abord, la présentation par Mark Sanderson, membre du collège central de Témoins de Jéhovah, de la Bible en Lingala, traduction du Monde Nouveau Révisé et la parution de la même version de la Bible en Kisongé et Kinandé. Quelques livres de la Bible ont été aussi traduits en Kituba, Urund, Kipende et Alour. La plus heureuse de nouvelles, c'est d'avoir la Bible en Lingala, traduction du Monde Nouveau. Et cette traduction va nous aider et aider aussi notre territoire pour bien comprendre la parole de Dieu facilement, pour que ça puisse rentrer dans notre cœur. Ensuite, s'en suivra au deuxième jour le baptême de 1377 nouveaux témoins de Jéhovah, dont les plus jeunes ayant 10 ans et les plus vieux 81 ans. J'ai choisi de me faire baptiser parce que j'ai trouvé que Jéhovah c'était un vrai Dieu après avoir étudié la Bible. J'ai envie de servir Jéhovah. Je suis très joyeux moi, très joyeux vraiment. Enfin, un film émouvant intitulé « Laisse Jéhovah tracer ton chemin » qui a démontré qu'il faut attendre patiemment Jéhovah en période de rudes épreuves. La sonorisation au taux des décibels raisonnables a permis aux témoins de Jéhovah très attentifs d'intérioriser à travers une série de discours aux sujets variés pourquoi et comment faire preuve de patience. Ce qui m'a plus intéressé, c'est cette qualité ici qui est la patience que nous avons examinée lors de cette assemblée. Et j'ai compris que c'est une qualité que je dois manifester, surtout en prédication, quand nous prêchons les gens la bonne nouvelle. Parfois, les gens n'acceptent pas facilement. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Et moi, je pars avec la détermination d'exercer plus de patience en tant que mari. Parce que c'est vrai, certaines fois, on est un peu différent avec ma femme. Donc, ça demande vraiment de la patience pour apprendre à mieux la connaître et apprendre à, même avec certains défauts que j'ai et qu'elle est là, pour pouvoir faire preuve de patience pour être un bon couple chrétien. Ce que je voulais garder à l'esprit, c'est qu'on a vraiment eu un programme complet pour tous les âges, que les personnes âgées, les couples, les adolescents, les jeunes enfants, tout le monde se retrouve. On reçoit aussi des conseils très pratiques qu'on peut appliquer immédiatement après. J'ai apprécié le discours public. Dans ce discours, il a été dit clairement et de façon simple que Jéhovah Dieu, en tant que créateur, il répond à nos prières. Donc nous devons continuer à prier, à persévérer dans la prière. Au terme de ces festins spirituels et ayant bravé la condition météorologique hostile, plus de 75 000 témoins de Jéhovah au stade des martyrs rentrent plus que déterminés à cultiver davantage la patience à l'instar de leur Dieu Jéhovah et de son Fils Jésus-Christ.
La possibilité d'investir en RDC était au centre de l'entretien entre le ministre congolais du commerce extérieur et les opérateurs économiques coréens des secteurs agricoles et miniers. La délégation a été conduite par l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, Eddie Chela, pour le reportage. Une délégation d'une vingtaine d'opérateurs économiques sud-coréens séjourne à Kinshasa où le climat des affaires est en train de passer du rouge au vert. Ils sont des secteurs miniers et agricoles et désirent investir en RDC. L'ambassadeur de Corée du Sud en RDC, Choja Ishel, a conduit cette délégation qui est à sa tête, Jung Kim, envoyé spécial du ministre sud-coréen des Affaires étrangères. Avec le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatongba, l'entretien s'est focalisé sur la possibilité d'accroissement des échanges commerciaux entre la RDC et le pays du matin calme. Il était aussi question de la promotion de la coopération à travers les investissements sud-coréens en République démocratique du Congo. Nous avons un peu confirmé les secteurs, les potentialités de coopération bilatérale, parce qu'on sait très bien que la RDC est dotée de nombreuses ressources minières, et puis la population congolaise est très jeune. Donc cela signifie que la potentialité de développement de la RDC est très forte. Donc c'est ce que nous avons vérifié pendant cet entretien. Ici où l'on gère la balance commerciale de la RDC, l'on veille à tout ce qui pourrait contribuer à la rendre positive. Et le ministre du Commerce extérieur scrute toutes les possibilités. L'autorité de régulation de l'aviation civile veut se conformer aux exigences de l'OACI. Pour ce faire, une formation a été organisée à l'intention des OPJ et la DGA de cet organe, Natacha Emmanuela Bolombo, participe successivement à Madrid au sommet sur les femmes dans l'aviation civile et à une réunion à Washington d'ici. Dada Chabani, nous en dit long. L'autorité de l'aviation civile a pour mission régalienne de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, et ce, en conformité avec les dispositions de l'OACI et d'autres instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par la RDC dans les domaines de l'aviation civile. Cette entreprise publique est dotée des officiers de police judiciaire. Ces OPJ suivent un séminaire de renforcement des capacités ouvert par le directeur général adjoint de l'autorité de régulation de l'aviation civile, Natacha Emmanuela Bolombo. Le numéro 2 de cette entreprise publique a rappelé aux OPJ les bien fondés de cette formation qui leur permettra d'être outillés sur les tâches de supervision des audits du système de sécurité et de sûreté de l'aviation civile, des exigences des instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par la RDC et aussi de mener des enquêtes sur les accidents des aéronefs et les incidents dans les domaines de l'aviation civile. Une fois les objectifs de la présente session atteints, notre administration d'aviation civile aura démontré vis-à-vis de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI la détermination à maintenir les efforts quant à la résolution des carences majeures longtemps décriées lors des audits qui se sont succédés dans notre pays. Avant cette formation, la DGA de l'autorité de régulation de l'aviation civile, Natacha La Bolombo venait de Madrid en Espagne où elle a pris part au deuxième sommet mondial de l'égalité des sexes dans l'aviation civile mondiale. À Washington, elle a représenté son entreprise à la réunion de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, NUSED. L'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent peaufine des stratégies pour rafler des sièges aux échéances électorales de décembre 2023. C'était au tour de l'autorité de cette formation politique. Norbert Basingezi Kantitima dans la salle de conférence de la cathédrale du centenaire protestant. Paulette Lomba, Fiston Moumama. Ses profils à l'horizon et les états-majors des partis politiques s'organisent. C'est le cas de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, dont l'autorité morale est Norbert Basingezi Katintima, qui a eu une séance de réarmement moral avec le membre et cadre du parti. Objectif, rafler de sièges par un travail bien fait aux élections de décembre, et ce, à tous les niveaux. Norbert Basingezi a exhorté les membres de cette plateforme politique à soutenir la vision du chef de l'État, en tant que membre au sein de l'Union sacrée, a-t-il martelé.
Tout membre de l'ANC doit avoir un rêve, celui d'avoir 200 députés au niveau de l'Assemblée nationale. L'amour doit caractériser chaque militant et cadre de ces quartiers qui est l'ANC. D'ici 112 jours, nous serons aux élections. Nous avons aligné les candidats à tous les niveaux. Nous avons agi à la fois comme ANC, mais aussi comme regroupement au sein de l'AN et de A25. Nous formons le même cartel pour l'avenir de la jeunesse et du genre. C'est pour gagner, mais aussi rappeler que notre congrès a investi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République. Je sais que dans 2-3 jours, vous verrez qu'on va convoquer l'électorat et c'est le candidat que nous soutenons. C'était ça l'objet principal. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des kits scolaires, pagnes et motos aux membres du parti, symbole d'encouragement et de soutien pour un travail bien fait. Et pour boucler ce journal, ce communiqué conjoint de l'autorité de régulation et des contrôles des assurances ARCA et la direction générale des douanes et accises, DGDA, qui informe les usagers de la douane de la reprise du contrôle de l'assurance des facultés à l'importation au 1er septembre 2023, à l'exception des produits pétroliers jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, elle demande donc à tous les concernés par cette assurance obligatoire de bien vouloir la souscrire et joindre le certificat d'assurance s'y afférent à la déclaration des marchandises conformément aux dispositions des articles 231 et 236.3 de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances sous peine d'amende. Nous vous engageons au respect de ces dispositions légales et réglementaires faites à Kinshasa le 29 août 2023. Signé pour la Direction générale des douanes et accises des GDA, M. Kabese Moussangou Bernard, directeur général pour le compte de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, M. Kaninda Ngalula Alain, directeur général. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Pour terminer en tout cas, j'en profite pour remercier le directeur général de la RTNC, Madame Sylvie Elengue, pour cette très belle opportunité. Et voilà, je remercie également toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidée pour cette édition. Messieurs Onésime Mukandila, Madame Fifi Mukundi, Diène Balaka. Merci à tous pour votre particulière attention. À bientôt.